Vous me direz que c'est un sujet inhabituel, oui, mais c'est aussi cela, Event, aborder des sujets qui ne sont pas forcément usuels. On parlera rap dans ce Event, rap ivoire plus exactement, et puis derrière, on verra l'ambiance qui a habité la capitale politique Yamoussoukro. C'était à la faveur de l'investiture du chef de l'État, donc en mai dernier. Voilà résumé ce dont il sera question dans ce autre Event. Bienvenue. Des pics sur des rimes, de belles empoignades, de façon rhétorique, enfin. C'est une façon, en fait, d'annoncer de façon très hip-hop le concours de rap ivoire. Fire Flow, sur plusieurs mois, ont rivalisé donc des talents du type en Côte d'Ivoire. Je propose de voir en image la finale du Fire Flow. Il y a eu du C'est l'union qui frappe la grandeur, faut la faire entrer. C'est la discipline qui. Aïe 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 aïe, choquant, choqué. Ça, c'est une gauche chocolatée. Fire, 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 fire. Franchement, pour les manières, c'est pas la peine de faire. Nous, sur le beat, mon négro, je suis à l'aise. Nos ghettos sont pas où t'en fous, mon négro, donc faut que tu me laisses. L'investiture du 21 mai à Yamoussoukro n'était pas que politique en dehors, en off, hors antenne si vous le préférez. Il y a eu aussi des ambiances assez particulières, très enivrantes parfois. On revient là-dessus avec nos équipes. L'investiture du 21 mai, non pas en politique, mais plutôt côté ambiance, côté délire à Yamoussoukro, Fire Flow, le concours de rap, vous a versé ceci. Ça vous donne la chronologie normale de ce dont il était question dans ce event. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, je vous laisse avec l'humour pour le rire ou le sourire, ou le délire, c'est à vous de voir. À la semaine prochaine. Non, petit là, il est au bord de la mer, son papa. Il dit, papa, tiens, papa, rien pas tous les jolis. Il dit, papa, il y a partout là, c'est joli. Il dit, tais-toi là-bas. Vous partez à l'école pour apprendre du n'importe quoi. Ce que tu vois là, qui t'a dit que ça s'appelle un bateau? C'est un yacht. Il dit, papa, ça là, c'est un yacht. Il dit, oui, c'est un yacht. Quand tu vois, c'est joli comme ça, c'est yacht. Il dit, papa, ça là, c'est un yacht. Il dit, oui, c'est un yacht. Il dit, mais papa, yacht là, on écrit ça comment? Il dit, oh, c'est toi, tu as raison. Ce que tu vois là, c'est bateau. C'est pas toi tu vois mon fils.